Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Jurassic World Evolution 2. Ce soir, on va continuer notre campagne sur Jurassic Park en mode théorie du chaos. On va continuer de développer le parc, faire les objectifs. Et on va voir si on peut l'achever ce soir. Donc là, on va reprendre parce qu'on en était. Donc c'est parti. Donc avec petit Rex comme vous voyez là. Qui est toujours aussi ravissant. Alors, on va rappeler où on était un petit peu dans les objectifs. Alors, il va nous falloir faire 6 espèces différentes, acquérir 400 000 de revenus par minute. Ensuite, comment ça s'appelle? 1 000 visiteurs, on a 806. 3 étoiles, on a une étoile, enfin, on a quasiment la deuxième. Mais bon, là déjà il faudrait qu'on essaye de rattraper un petit peu tout ça. Donc on va voir comment on va faire dans cette nouvelle session, sorte de ce nouvel épisode. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue, bienvenue sur Jurassic World Evolution 2. Nous allons continuer notre parc en mode théorie du chaos sur le Jurassic Park, donc 1993, n'est-ce pas? Pour continuer à développer le parc, essayer de voir comment on peut l'améliorer et atteindre nos objectifs en temps voulu. Donc je vais rajouter peut-être juste un truc au niveau du son. J'ai mis à 25%. Voilà. Donc on est parti. Alors déjà il va falloir voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça monte pas. Alors déjà on voit qu'on a beaucoup d'accessibilité à la nourriture, mais pas d'accessibilité en boisson ni en boutique. Donc déjà il va falloir corriger ce problème pour voir comment faire. Alors, je regarde un petit peu. Donc là, on a de la viande gastronomique ici. Peut-être que je commence à songer à remplacer les générateurs de carburant, peut-être. Je vais peut-être voir pour faire des petits secteurs de centrale par-ci, par-là. Donc là, les toilettes, on est plutôt pas mal. On a des hamburgers. Ici, on a un cinéma même. Alors, je sais pas comment on va faire, mais bon, on va trouver des solutions. Donc déjà, je vais juste faire un petit truc. Hop. Excusez-moi, des petits réglages. Lui, c'est fait. Et ça, c'est fait. Donc on y va, let's go. Il va nous falloir donc déjà revoir nos commerces parce qu'on va avoir besoin d'abris. Et enfin pas d'abri de commerce pour la nourriture bien sûr et des commerces pour la boisson, ce qui va être très important. Bon, très bien. Alors, je vais voir comment je vais refaire ça. Donc là, on va tout de suite préparer ce commerce. On va changer le type, c'est pas de la nourriture qu'on va faire. On va partir sur de la boisson. Voilà, très bien. Au niveau de la configuration, bon, on va voir. Et ensuite, on va partir sur un commerce pour tout ce qui est boutique de souvenirs, bien sûr. Donc on va le préparer tout de suite la config. Très bien, donc là on sait comment modifier ça. Bon, ça sera peut-être pas très droit, mais dans l'idée, pourquoi ne pas essayer comme ça? Hop! Par contre là le générateur ne va pas tenir. Alors, un véhicule est menacé. Bon, très bien. Qu'est-ce qui va pas? Donc, on a beaucoup de public classique et du petit public et du public. Alors, celui-ci, c'est de l'aventurier. Donc, on va essayer de configurer ça comme il faut. Très bien. Et on va essayer de trouver un truc pour le public.
Non, l'espace de jeu, ça suffira pas. On va mettre un karaoké, tiens, pour démarrer. Alors ici, on vend des chapeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? On a beaucoup de public chapeaux, ok, ouais. On pourrait faire ça, tu me diras aussi. Parfait. Et on va partir sur une télévision. Let's go. Très très bien. Je vois qu'on a déverrouillé des recherches. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors au niveau des expéditions, je pense qu'on va avoir des nouveautés. On va essayer de voir pour terminer certains génomes. Notamment, j'ai envie de terminer les génomes de Vélociraptor. Je vais voir un peu où en sont mes employés. Alors, où sont-ils? Expédition plus rapide, je vais l'utiliser tout de suite. Et là, on va gagner peut-être 20 secondes. Allez, let's go. Bon, c'est bien. Là, on est plutôt pas mal. On se refait pas mal d'argent. Les gens arrivent au fur et à mesure. Maintenant, on va voir pour nos... Est-ce qu'il nous restait des fossiles? Oui. Alors, je vais extraire ça. Alors, on va extraire l'ambre du conso. Ça. On va affecter un scientifique pour les extractions plus rapides. Parfait. Alors, il faut que j'essaie de voir aussi, parce que je sais que je peux améliorer peut-être mes personnels, mais est-ce qu'il me faut pas une recherche, un truc comme ça? Je vais aller m'enseigner. Ok, il va falloir faire ça plus tard. Ensuite, au niveau de Dino, on a dévoyé pas mal de choses, j'ai l'impression. Donc, on va essayer de faire ça, remplir une condition. Donc, notre parc est à 2 étoiles. On a deux, on continuera de monter petit à petit, je pense. Faut laisser le temps. Et bien sûr, il va falloir améliorer nos dinosaures, hein, parce que bon, on va pas se le cacher. Déjà nos raptors ici, quand on les regarde, ils ont beau avoir des bonnes notes, mais voilà quoi. Alors, est-ce qu'on peut voir le pourcentage du génome ou pas? Parce que là, à mon avis, ils sont sortis avec 50% de génome, un truc comme ça, à peine 55. Donc, on va essayer de revoir ça petit à petit. Les 6 espèces, on va vite y arriver, hein, tranquillou, mais on va essayer de faire ça dehors des espèces avec des fossiles et des génomes complets. Donc là, en paléobotanique, on est bon. En dino, on a eu des modifications génétiques. En quart d'heure au fur et à mesure. Donc là, on a pas mal découvertes aussi, on va faire gaffe. Très très bien, les sites de fouilles, bah, ça va venir au fur et à mesure dans le jeu, une fois qu'on aura avancé dans les scénarios. Bon, on va accélérer un petit peu tout ça pour les expéditions et tout ça. Ok. Bon, très bien. Le compi, un génome fiable. Alors, qu'est-ce qu'on a niveau fossile? Oh, on a des belles choses. On a les raptors maintenant. Bon, déjà, j'ai commencé par ça. Déjà, on va dégager tous les compis. On va affecter un scientifique pour extraction plus rapide, bien sûr. Bon, vous voyez, on se rapproche tranquillement des 342 000. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, peut-être que je vais réfléchir. J'ai commencé à préparer des petites centrales électriques pour supprimer les générateurs au fur et à mesure, quoi. Parfait.
Distribution alternative d'électricité. Ça a été débloqué. Parfait. Comme ça, là, je vais pouvoir couper le générateur et on va faire un petit remplacement tout de suite. Bon, ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal du tout, d'ailleurs. Très bien. Il va falloir que je fasse aussi des petites recherches encore. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, au niveau des expéditions, est-ce qu'il nous reste du compi dans le coin? Il nous reste du compi. Alors, déjà, on va refaire ça. Encore de l'extraction plus rapide. Au niveau des expéditions, on va recontinuer sur le Vélociraptor. On va essayer d'en faire des raptors de meilleure qualité. Qu'est-ce que ça coûte cher, hein? Bon, très bien. Alors, donc là on a 854 visiteurs. Ici, je vois qu'on a des petites centrales, on a le centre des expéditions et tout ça. Donc là, j'ai un petit problème. Hop. On va mettre quelques petits pois pour nos deux raptors parce ils en ont besoin pour se divertir. Alors, au niveau des espèces, comment ça se passe? Les tricés ont l'air ravis. Ils sont à 87% de confort, je sais pas ce qu'il leur manque. Il leur manque un poil de forêt. Bon, on va faire un petit effort. Est-ce que c'est ok? Voilà, les tricés sont à 100% ravis. C'est très bien. Ah oui, les deux raptors, tiens, on va voir un peu ce qu'on pourrait faire. Je sais pas encore. Ah bah oui, pourquoi j'ai fait des raptors en fait? Bah, je vais attendre d'avoir les 100% de génome. Je vais pas me casser la tête, ça me coûtera cher, mais pourquoi pas. Bon, on va gagner 18% de génome, on va passer à 77%. Après, je vais l'envoyer en congé. Il l'aura bien mérité après le travail extraordinaire qu'il nous a accompli, notre ami. Alors, recherche moins chère déjà. On va gagner un petit peu d'argent, comme ça on pourra faire un autre truc pour les scientifiques pour avoir des améliorations et tout ça. Ça va être très important. Bon, très bien. On va continuer de faire des commerces. Bon, ils seront petits, certes, mais bon. Et là, on va faire un commerce de. Comment ça s'appelle? Patch. Ouais, on va faire un commerce comme ça. Allez. Là, je vois qu'on a beaucoup de visiteurs, public général et beaucoup d'aventuriers. Donc, hop. Un truc qui satisfait les deux déjà. Les riches. Un minimum. Public. Et. Je sens qu'il y a un raptor qui va se barrer. Ah, Mitrandir s'est barré. Qu'est-ce qu'il a eu encore? Équipe. Neutralisez-moi ce raptor. Toi. Il va vite falloir aller réparer la clôture parce que si le deuxième raptor se barre, là, ça va commencer à être chaud. Bon, voilà ce qui s'appelle avoir un petit imprévu comme d'habitude. Donc là, on va perdre un peu de points malheureusement. Alors, au niveau de la compta, qu'est-ce que ça donne? Alors, note du parc. Alors, les commerces. On a une grosse accessibilité pour les cadeaux. Maintenant, on va peut-être faire un peu plus pour les boissons.
Essayez de le placer là. Alors toi. On va vite aller réparer les clôtures parce qu'il y a du besoin, il y a eu du dégât, il y a eu des tempêtes, je rappelle. Bon, la porte, elle s'est réparée ou pas? Ensuite, il y a eu les clôtures où il y a eu des trous. Voilà. Réparation terminée. On va aller chercher qu'est-ce qui a encore cassé. Réparation achevée. Là-bas, il y a eu quelque chose. Je vais aller voir. J'essaie de réparer un peu le parc parce que c'est les infrastructures aussi, c'est important, ça, de bien les renforcer. Ah, il y a le poteau électrique là qui avait souffert. On a laissé le temps de réparer quand même. Bon, on s'est retourné, on a l'habitude. Bon, très bien. Maintenant, on va transporter les deux autres Gugus dans leur enclos. Et je peux pas vendre ces raptors. Ok. Ça c'est fait. Il y a personne là-dedans. Et si je mettais des... On va configurer, on va passer en boisson. Ok. Donc là on a beaucoup de d'aventuriers, de public. On va changer ça. Oh, ok, ça a changé là. Déjà, on va faire ça. Encore du public. Le statut, c'est pas la peine. Mais réservoir à poissons, je dirais que c'est pas mal. Voilà. Donc on va reprendre. Donc on a 2,1 étoiles. À mon avis, il va nous falloir plus de dinos que ça encore. C'est pour ça. Alors au niveau des fossiles. Bon. Comme ça, là, on va pouvoir faire un autre centre de formation qu'on va faire tout de suite au niveau des opérations. Je vais le mettre ici. Donc là, les revenus ont augmenté, c'est pas mal. Ça va nous permettre d'acheter plus de scientifiques au fur et à mesure. Par contre, là, les abris. Je vais essayer de voir une affectation. Les abris, c'est où? En regardant pour les abris, ça va me permettre de savoir ce qui va pas. Parfait. Alors, où ça manquait d'abris? Ok, bon, les 400 000 dollars, on les a, ça c'est très bien. Donc tout le monde a l'air satisfait au niveau des commerces. On a beaucoup de visiteurs. Alors c'est quoi qui nous rapporte le plus en termes de visiteurs? Ce sont les aventuriers de la nature, quoi. Ce sont les visiteurs de type nature. Bon. Les aventuriers, ça viendra. Le public, c'est en deuxième. En troisième, eux. Et en dernier, bah, le luxe. Les grands riches, quoi.
Ok. On va. Alors, où on en était niveau expédition? On va continuer avec le Raptor. Parfait. Ensuite, on va reposer. Non, on va pas le congédier, on va le reposer. Toi, tu es en mission, toi, tu es occupé. On va voir pour d'autres scientifiques au fur et à mesure. Salut Momon, comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue à Jurassic Park. Là, on est en train de recontinuer l'émission. Donc, on a déjà atteint les 400 000 de revenus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Là, on est en train d'essayer de faire notre 3 étoiles. Alors, la recherche est prête. Et prête. Et prête. Donc là, on pourrait faire ça, mais on va en avoir besoin. Alors, je vais regarder. Alors, manipulation génétique, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a pas mal de choses qui sont débloquées là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En vrai, des raptors dociles, ouais. Allez, on va commencer à faire des recherches génétiques un peu. On va essayer de remplacer sur le long terme les raptors pour qu'ils soient un peu plus calmes, on va dire, parce que ces petits cons ont fait des évasions. Donc là, ils ont fait un patch sur le jeu, apparemment, ça a l'air plus fluide. Alors, faudra voir sur le long terme. Moi, pour le moment, j'ai pas de soucis. Alors, si de votre côté, faudrait me dire quoi, s'il vous plaît. Alors, on a récupéré 4 nouveaux fossiles. Ah, un nouveau fossile. Mon Dieu, on va aller loin avec ça. Vous deux, là-dessus. Alors, les scientifiques, bah, il faudrait qu'on les fasse se reposer, ces deux-là. Et toi, dès que possible. Très très bien. Je veux juste, on va se faire un peu d'argent supplémentaire, bien sûr. Donc là, on va essayer de voir comment on va faire la modification génétique. Parce que bon, les raptors, malheureusement, je voulais essayer de m'en débarrasser, mais je ne pourrais pas les vendre. Alors j'espère que. Je veux juste voir parce qu'ils sont intolérants. Oui, il y a le match France-Nouvelle-Zélande, oui. Je suis pas étonné. J'espère que ça va être un beau match. Alors, il a quel âge notre ami là? Ok, il a 43 mois, on va dire. Ouais, le problème c'est qu'ils sont intolérants, mais laisse tomber quoi. Alors, au niveau des fossiles. Bon, là, ça va aller tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire. Parfait. Donc là je suis un peu en x3, je suis pas encore en x3 alors. Toi, on va t'accorder un congé. Toi, on va t'accorder un congé aussi, toi pareil. Alors toi là. Est-ce qu'on peut te former? On peut te former. Je peux lui rajouter un point de formation. Je lui booster sa logistique. Ton bien-être, comme ça il sera plus fort là-dessus. Bon, on va attendre que les autres reviennent et finissent leur tâche et on les boostera un petit peu au fur et à mesure pour ça augmenter nos coûts. Mais bon, là on est plutôt pas mal niveau argent. Alors, par contre, le cinéma, là il y a quoi? Je peux rien améliorer pour le moment. Hein. Alors, des deux nouveaux fossiles, très bien. Alors, carte de l'expédition. Je manque de points de logistique, donc je vais attendre que mes employés reviennent.
Comme ça, on pourra faire. On est à 24 à 6. Ah oui! Ah oui, quand même, on les atomise, d'accord. Après, c'est des matchs amicaux, hein, donc bon, on va me dire, ouais, c'est pas des matchs officiels, hein, mais bon, contre les All Blacks, c'est quand même du prestige. Ah, une tempête. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, bah oui. Je veux pas prendre de risques pour mon parc. Les tempêtes sont très très dangereuses, croyez-moi. Donc, je vais juste attendre que la tempête passe. De l'argent. Bon, l'objectif c'est retirer malheureusement. Alors, on va aller aux expéditions, on va y terminer le Raptor. Ils n'ont plus grand-chose, hein. Donc là, on peut pas faire deux expéditions à la fois. Je perds de l'argent, mais bon. Enfin, je perds de l'argent au niveau des revenus, hein. Là, pour le moment, je suis encore bien, ouais. Donc là, je me mets en x3 exprès pour que la tempête, elle passe. Parfait. Donc là on est plutôt pas mal niveau truc là. Expédition terminée. Est-ce qu'on a tout? Oh, c'est chiant ça. Donnez-moi mes raptors à 100%. Bon, on peut plus ici. On va aller là. Au moins ce sera fait un peu d'argent en plus. Attends, avant de l'envoyer, je vais la former. Je vais lui rajouter son dernier point de logistique, comme ça, on sera peinard. Alors toi, t'es bon en logistique et en génétique. Je vais te booster en génétique, toi. Et toi, t'es bon en génétique aussi, je vais t'y booster. Sous la pression des Alblacks. C'est nous qui menons 24-6 ou c'est eux qui... qui nous mettent la sauce. S'il te plaît. Donc ça c'est fait. Que je devrais pas incuber d'autres dinosaures. Tiens, qu'est-ce que j'ai à 100% ici? Ouais, j'ai pas mal de dinos à 100%, tu me diras. Alors, j'essaie de voir pour modifier le génome. Ça coûterait combien si je fais ça? Ah oui. Hop, au niveau de l'interaction. Allez, let's go, on va continuer de faire des recherches ici. C'est nous qui menons, c'est cool. Excusez-moi. Alors juste un truc vite fait. Bon, l'expédition sont revenus. Alors 3 et 4, 7. Ah, il y a une tâche en cours là. Bon, très bien. Ok, on va continuer d'enchaîner un peu les recherches. Bon, on a encore 1 million. Il y a une autre recherche à faire ici, c'est quoi? On va essayer de faire une autre manipulation génétique. En vrai, le trait tolérant, alors il nous faudrait quoi? 2 en logistique et 9.
Bon, déjà on a ça, mais il nous manquerait de la génétique encore. Bah lui, hein. Si nous on a des dinosaures tolérants, pourquoi pas? Alors lui, qu'est-ce que... Alors les tricés, qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils n'aiment pas les autres, Ceratopsidés, ok. Les Parasaurs. Où sont nos Parasaurs là-dedans? En voilà un. Ils aiment les sauropodes, ok, mais ça s'entend pas avec d'autres. Salut Loubou, comment tu vas? Ah, il y en a un qui a été sur Age of Empires 4. Bienvenue, bienvenue. Ok. Alors ça c'est quoi? Réponse immunitaire efficace. Bon, on va le prendre, alors on va faire recherche moins chère. Voilà, à eux deux, ils font un bon duo, j'aime bien. Donc là, je suis en train de continuer de développer le parc. Bon, j'ai pas encore de nouvelles espèces. Ah, avis de tempête, ça pue. J'ai quand même enregistré. Bon, c'est toujours ça de prix, le bout. Les succès, ça vient, ça va, ça vient, tu sais. Bon, le bunker, là, on va ouvrir tous les abris parce que ça risque d'être très violent. Sachant que les tempêtes peuvent nous mettre très KO d'entrée de jeu, ils vont nous faire une... Oh! Ok. La porte, vite. Voilà, toi, vite. Très bien, on a tout réparé, bonne nouvelle. Et là, ça y est, on a des maladies. Beware. Là, on perd de l'argent là. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Ok, très bien. Et là, j'ai vu qu'on a... Et ça y est, il s'excite. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Blessure superficielle. Est-ce que tu peux le soigner ou pas? Ouais, la porte, il y a des tricés qui voulaient se faire la malle un peu. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Fracture grave. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ah, il va falloir que je le livre à l'établissement, lui. Bon, très bien. Hélico. Là, je suis en théorie du chaos, Louboussa. C'est le deuxième stream que je suis dessus. Je suis sur le parc de Jurassic Park en 93. Parfait. Là, niveau recherche, qu'est-ce que je pourrais améliorer? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à la couveuse? Alors, il va nous falloir 5 en logistique. Recherche moins chère. Allez, let's go. On va améliorer un peu nos couveuses maintenant. Salut Mitrandir, ça va et toi? Bah, bienvenue à tous, les gars. Bienvenue, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui va pas encore? Là, j'attends qu'il y en ait un qui s'endort pour aller le soigner. Un paraso, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon. Il tire toujours comme des pieds, hein, mais. Mais gars, ça a pas changé. Donc, toi, tu vas aller. Elle est où? Là-bas. Alors, bien-être, toi t'es le meilleur en bien-être. Voilà. Par contre, ma Jeep. Tu vas aller là.
Ah bah on n'a plus de carburant. Ça nous coûtait un bras, mais bon. Il y a juste vous les toi et petite futée, tu t'es barré un moment avant que quelqu'un arrive. Il y a une tempête, mais on a réussi à s'en tirer. Et là, on a le génome des raptors qui est complet. Donc, il y a plutôt. C'est plutôt calme pour le moment, on va dire. Et là, on va récupérer de l'argent avec des extractions plus rapides. Ça va nous faire 80 000 de plus. Alors, maintenant qu'on a le vélociraptor complet, ça c'est très bien. On va essayer de compléter le Compsognathus, qu'on va faire comme une nouvelle espèce aussi. Et j'ai pu commencer à former des scientifiques en leur donnant des niveaux supplémentaires. Je leur ai donné un point, donc je vais commencer à spécialiser un peu mes scientifiques, faut que je le fasse. Et je vais essayer de faire des raptors un peu plus dociles, on va dire. Donc là, je pourrais rajouter un pachyrhinosaure, c'est une sorte de cératops. Mais bon. Son point faible, c'est ça, lui. Donc là, j'ai réussi à compenser sa mauvaise forme, on va dire. Alors, ah, il y a un nombre de modifications disponibles. Ok. Je vais prendre le 50% ici. Il me reste encore un point de modification disponible. 50% d'espérance de vie, je trouve que c'est pas dégueulasse du tout. Pour un cératopsidé. Je peux encore lui rajouter un slot. En mauvaise forme, il l'aura plus. J'ai pas touché à son skin pour le moment. Alors, est-ce que je pars sur du chétif pour enlever chétif? Non. Donc, je vais essayer de voir. Je vais essayer de mettre ce dernier point. Alors, l'ADN du grand dauphin donne naissance à des dinosaures qui s'épanouissent en groupe comprenant d'autres espèces. C'est vrai qu'un pachyrhinosaure, pourquoi pas? Ah, mais il a le trait en mauvaise forme 50% qui arrive si je fais ça. Ok, c'est un jeu d'équilibriste. Après, longue espérance de vie, pourquoi pas? Allez, après tout. Bon, je vais affecter des scientifiques, alors bah, dès qu'ils seront de retour. Alors, pour les raptors maintenant, on va modifier un peu le génome. Ils ont une faiblesse, je suppose, laquelle? Oh putain, ils sont. Déjà, rien que ça, ils sont intolérants. Bande de racistes, hein? Tolérant. Hop. Des raptors dociles, j'aimerais bien un petit peu. Et interaction, j'ai vu. Parfait. Donc là, les compis, on les a pas encore développés. Il nous reste des fossiles ou pas? Ok, ils sont en cours dessus. On va remettre en x3 pour accélérer le tout. Bon là, notre parc, on a réussi à bien le rééquilibrer, le rentabiliser. Amélioration de couveuse, ça sera toujours ça de prix. Ça pourrait être cool, effectivement. Une nouvelle expédition terminée. Bah, j'en ai que 4 pour le moment, mythe, mais bon, ça devrait vite monter, je pense. Bon, par contre, l'argent, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais bon, c'est normal. Alors, je vais voir si je peux pas améliorer d'autres scientifiques que j'ai oublié. Ah, elle. Qu'est-ce que je pourrais. Je la booste en génétique aussi, hein. Voilà. Au niveau des recherches. Ouais, à mon avis, il y a des missions qui sont plus longues que d'autres, ça c'est sûr, mythe. Confort des visiteurs. Ouais, ça commence à coûter cher. Donc là, on va se calmer un petit peu. Donc là, déjà, l'objectif des 400 000, c'est bon. Les deux étoiles, il nous faut encore deux espèces et plus de visiteurs au fur et à mesure. Mais bon, pour le moment, comme on le voit, la capacité des visiteurs, c'est plutôt cool. J'ai combien de visiteurs dans le parc? Je peux le voir quelque part.
Là, ils sont plutôt ravis. Je pourrais monter à 904 visiteurs potentiels. D'accord. Donc ça, c'est une bonne information à savoir. Donc, il faudrait essayer d'optimiser un peu tout ça plus tard. Et si on faisait remplacer pour voir ce que ça donnerait? Donc on va essayer de renforcer nos artères, notre artère principale. Le mec il parle comme s'il parlait, c'est un chirurgien du cœur. Je ne suis pas un expert en chirurgie les gars, hein, je précise. Ensuite. Parfait. Donc là c'est un petit secteur mais quand même sur le principe. Voilà. Est-ce que ça va remonter un peu le nombre de visiteurs que j'ai ou pas? Donc là, on passe à 1823. Les allées peuvent avoir une capacité de 1117. Donc là, on est un peu tranquille sur le long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait. Donc là, il faut de la diversité. Ça, c'est tout ce que je peux faire à l'heure actuelle. Se repos d'ankylosauridés stégosaures. Par contre, j'ai pas d'ankylosauridés. On va monter à 94%. On va encore. Docteur Kaiser, vous êtes attendu en réanimation. Très drôle. Bah, la réanimation de Raptor, pourquoi pas. Allez, santé sur ce. J'ai perdu. De l'argent. Alors une dernière expédition, bah le compi, on sera à fond apparemment. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le vélociraptor, on pourrait encore y aller, mais non. Un grand carnivore, ouais. J'ai pas le dilophosaure dans le coin. Je crois que j'avais, il me semble que j'avais le génome de dilophosaure à un moment. Ouais, on va commencer à le faire. Vous savez, ceux qui crachent du poison, qu'ils ont tué. Celui qui a tué. L'espèce qui a tué Denis Nedry dans le premier opus. Ouais, c'est ça. Ils sont des scientifiques. Très bien. Bon, ça sera sa dernière opération. Donc, toi. Je vais essayer de voir pour recruter un ou deux autres scientifiques. Ah, attends. Attends, toi, tu me plais bien, là. Calpit Kadjar. Tu pourrais comboter avec l'un des autres scientifiques qu'on a, là. Par contre, là on a un 30%. Tu me plais bien, toi. 50% de durée de recherche. Allez, let's go. C'est un investissement, mais je pense que je sais comment je vais le faire comboter. Parce que là, j'ai recherche moins cher et recherche plus rapide. En combo, ça pourrait être pas mal, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc si moins nos recherches seront chères, mieux ce sera bien sûr. Expédition terminée. Oh, mais il y a pas mal de choses. Waouh. On va prendre tout ce qu'il y a à revendre déjà. On va se refaire de l'argent. Parfait. Ah, il y en a un qui est pas content. Je pense savoir c'est qui. On va accorder un congé. Pour les fossiles, bon. Alors, on va déjà virer ces 4-là. Ça fera de l'argent en plus. 100, déjà 200 000 ici. De 400 000. Et les deux ampes qu'on va gagner 48%. On va avoir 74% de dilophosaure. Alors, il va nous falloir combien? 3 en jeu. Hop, vous deux. Parfait. Donc là, je mets en x3 bien sûr pour accélérer le temps parce que c'est quand même 4 scientifiques au repos quand même. Hein.
Donc si vous étonnez pas si je me tourne vers votre droite, c'est pour vous lire, hein, bien sûr. Ah merde, j'ai toujours pas remis le parasol. Ah c'est con ça. Allez, à toi. Ah, et ma caméra qui tombe un peu. Attention, voilà, c'est mieux. Donc le Dilophosaure est un génome fiable. Alors. Extraction plus rapide, ça tira bien toi. Hop. Donc là, on va avoir le Dilophosaure en très peu de temps. Ça va être cool ça. Alors pour le compil, il est presque à 100%. Très bien. Alors les compis, ça s'intègre avec toutes les espèces, mais ils détestent les hybrides. Bon, bah ça m'arrange. Alors. Le Raptor s'entend bien avec l'Indominus Rex et les concis, on se demande pourquoi d'ailleurs avec l'Indominus Rex, n'est-ce pas? Et alors le Trissé s'entend bien avec tous les... Comment il s'appelle? Tous les compis, les Ankylosauridés. Lui, il aime bien les sauropodes, les sauropodes, les ankylosaures et les stégosaures. Le Parazo aime bien les sauropodes. Et lui, il aime bien que les ankylosauridés. Donc c'est un peu de bordel. J'espère qu'on peut. Est-ce que je peux déjà avoir des fossiles de. Pas des fossiles, des. Une expédition pour un ankylosauridé dans le futur. Apatosaure, c'est pas mal. Styracosaure, c'est pas mal non plus. Là, on a deux gros carnivores. Célophysis, c'est un carnivore aussi. Donc là, on peut avoir encore du styracosaure, du mayazora. En vrai, de la patosaure. Alors, on pourrait mettre plus de points, tu me diras. Mais non, on va y aller avec elle toute seule. L'IA, elle fait bien le boulot au niveau expédition. Je pense qu'on va essayer de réfléchir pour se faire des sauropodes, tiens. Et on va rajouter des raptors, je pense, tiens. Alors attends, déjà, on peut avoir 29 espèces à Jurassic Park. On va juste attendre un truc. Alors on va modifier le génome, alors la peau... Ok, on va rien toucher. On va rajouter des raptors, hein. Comme si on est déjà pas assez, vous allez me dire. Alors c'est de la. C'est de la synthèse là. Le compi est un génome complet, ça c'est cool. J'espère que. Désolé de m'y t'en dire, rien de personnel, mais j'espère que tu vas vite canner. Comme ça, on pourra laisser place à la nouvelle génération de raptors plus tolérante. Et docile. Ouais, 32% d'entrée, pas mal du tout. Alors, c'est extraction plus rapide. Oh, voilà comment c'est pas dans ça. Mais tu seras plus puissant. S'il y a un petit rappeur qui est renommé à ton nom, je pense que ça va te... Ça va te changer l'idée. Qu'est-ce que t'en dis? Alors on va voir combien d'œufs sont tenus. Alors on a 4 œufs viables sur les 6. Ah par contre, alors qu'est-ce qu'on a? Aucune caractéristique. Ouais. Putain, j'ai 2 agressifs hein, dans le tas. Après, ils ont eu aucune caractéristique. Ouais, je vais devoir attendre un petit peu avant de faire d'autres raptors. Tiens, il va falloir cumuler de l'argent.
Le génome d'Apatosaur étant viable d'entrée, ça c'est très bien. Et là, on va encore faire extraction. Rien que là, on va monter à 33. On va avoir 84% du génome de Mitrandir Junior. Ouais, ça pourrait être rigolo, j'avoue, Mitrandir Junior. Ça pourrait être marrant, tiens. Je voudrais un Thanos aussi dans le coin, comme ça, tout le monde sera content. Ah oui, parce que bon, Mitrandir sans Thanos, c'est comme Bonnie sans Clyde ou l'inverse, ou. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom, merde. Bon, c'est pas grave, il me reviendra. Ils sont très agressifs. Hein. Ah, ça y est, on a les deux raptors. Alors, donc là, ça va être incubation plus rapide. Allez, on va rajouter deux de plus. On va voir ce que ça donne. Puis bon, deux raptors. Enfin, deux raptors, c'est un peu ennuyant. Je pense qu'en mode, c'est plus rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je vais voir un peu leurs notes. On va les transférer puisque c'est l'enclos des raptors. Pour ceux qui veulent des souvenirs. Ah, ça y est. J'ai eu des succès. Ah, ça y est, je suis à 1000 visiteurs rien qu'avec les deux raptors. Donc là, on a fait 3 des objectifs. 2 des objectifs, pardon. ...185 de notes. Ils ont combien les deux anciens? Vous avez combien tous les deux? Vous avez 185 de notes aussi. Ok. Vous avez pas... Les deux nouveaux n'ont pas de caractéristiques. Alors malheureusement ou heureusement, on va pas faire le débat, mais... je pense que là, 4 raptors, ça a fait vite grimper, regardez. Ça a vite fait grimper la note, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai déjà 1000 visiteurs. L'attrait est à 37%. Et là, je suis en train de me tâter parce qu'on a une galerie. Alors, est-ce que je devrais pas modifier un peu le parc, enfin, l'enclos ici? Hop. Je vais retirer toute l'eau là, à la limite. Ouais, ça fera un petit peu marécageux. Et là, les visiteurs pourront un peu peut-être mieux voir les parasos, qui vont encore augmenter la note. Par contre, il va nous falloir une autre espèce. Hein. Le plus rapidement possible. Alors, est-ce que mes hôtels peuvent toujours couvrir? Ouais, pour le moment, ils peuvent couvrir. Très bien. Alors, j'ai un hôtel là. J'en ai un deuxième ici. Ah, on va plus bientôt avoir assez de carburant, mais je pense qu'à terme, là, je vais détruire ça. Voilà un peu ce que ça donne. Ah oui, il y a tout le secteur là qui est carrément capoute. Alors, je vais faire gaffe. Déjà, ça, c'est fait. Alors, est-ce que le poteau électrique suffira? Bon, très bien. Les 1000 visiteurs, c'est OK. Alors, les compis à 100%. On va modifier le génome. Alors, toi, t'as quoi comme problème? Bah, tu sais quoi? On va compenser ça. On va lui rajouter déjà 50% d'espérance de longue vie. Au niveau de l'endurance, bof. Si je lui mets avec les raptors, ça sert à rien. Et on va commencer à faire des compis en masse. Avec les raptors, puisqu'ils tolèrent. Ils sont tolérants des raptors. Alors, compis. Ça va être synthèse plus rapide.
Recherche plus rapide, pas besoin. Salaire plus altruiste, ça me plaît bien. Oh, regardez-moi ça. 10 compis, voyez-vous ça? Bon, deuxième anecdote avec les compis, bien sûr. Ah bah la petite futée est blessée, la conne. Allez, les raptors, ils sont en train de grailler. Tiens, Loubou, allez, c'est cadeau. Je suis sympa, bon. Ah, voilà. Un Louboust. T'étais un allosaure avant, mais bon, t'es un bon petit raptor, très sympathique. Bon, t'as pas de trait de caractère, mais t'es quand même intéressant. Ah, on sent qu'ils aiment pas les voitures, hein. Vous êtes très tolérants comme d'hab. Hein. Bon, vous êtes des raptors. Hein. Alors, où en sont nos compis? Par contre, je pense qu'à mon avis, dans l'enclos, je vais devoir ajouter une mangeoire carnivore parce que si on a beaucoup de compis, ça va nous faire du monde. Alors, comment ils sont? Bon, on embarque tout le monde, hein, let's go. Bon, il y en aura 4 nerveux. Alors, ça va être de l'incubation. Allez, on va lâcher les compis un peu, hein, et on va clôturer cette première partie. Là, moi, je vais aller au centre des recherches pour... enfin, au centre des trucs, on va mettre des congés. Non, 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 vire le pas, il a fait le boulot. Voilà, donc lui et le prochain, ce sera Dagur. Il a rétréci. Oh, vous moquez pas de Loubou, hein. Oh. Eh, un raptor, c'est pas mal non plus, hein. En plus, les gars, vous... Je veux pas... Bah tiens, allez, tiens, Momon, vu que t'es dans la meute, vu que vous êtes là tous les quatre, il y avait la petite futée avec, tiens, comme ça, il y a toute l'équipe. Bon, très bien, il y a 8 compsis qu'on va lâcher ici, parce qu'ils s'entendent bien avec les vélociraptors. Allez, il y a un gang, allez. Comment ça, manque de viande? Bah et ça, c'est quoi? Alors, est-ce qu'au niveau du parc, ça fonctionne? Je vais essayer de mettre les trucs à viande près de la route. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils ont besoin de quoi? Ah, ils ont besoin de sable. Parfait. Donc là, on a une nouvelle espèce, ça fait plaisir. Ah, on a perdu. Qu'est-ce qui... Où ça? D'où il n'y a plus d'électricité? Ah, c'est encore ça là. Putain, c'est chiant. Je vais devoir faire une centrale électrique. Hein. On va juste la remplacer. Voilà. Ah bah maintenant Momon il a un truc indéterminé. Bon allez on accélère. Ah, un dinosaure est mort. Tiens donc qui ça? Non, il n'y a pas de mort pour le moment.
Donc là, ça accélère la construction. Parfait. Alors, il a quoi, lui? Il a une rhinite. Ok, très bien. Donc là, on peut pas la soigner, il faut attendre un truc. Donc on va s'arrêter là pour cette session. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Donc on continue d'agrandir le parc. Des bisous YouTube, ciao ciao.